Salle de l'école, projection du film Construire l'avenir dans le respect de la vie, l'expérience du hameau des Buis. Le forum, c'est sa deuxième édition cette année. Et il est organisé par un collectif d'associations. Ce collectif regroupe des associations locales qui ont une vocation d'animation et de développement local en général, qui sont intéressées par les domaines de la biologie, de l'agriculture biologique, de l'écologie en général, de la citoyenneté aussi. La vocation du forum, elle s'inscrit dans un territoire. Le territoire, c'est le territoire de la communauté de communes Cévennes-Garrigues. À savoir que c'est son périmètre intérieur, mais qu'elle a vocation à résonner vers l'extérieur aussi, cette manifestation. Et donc, chaque année, on tourne de village en village. Donc, habiter, cohabiter, écohabiter, ça c'est le slogan, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que là-dedans, il y a quand même l'idée de l'écohabitat, de l'habiter ensemble. Et l'idée, c'était d'accueillir. Le thème général cette année, c'est comment accueillir en milieu rural sans urbaniser. Puisque vraiment, là, c'est une dimension qui est quasiment politique, de se dire, mais est-ce qu'on est obligé de fonctionner pareil, que ça soit en périurbain ou dans les milieux ruraux, de montagne, de surcroît, où les caractéristiques sont complètement différentes, n'ont rien à voir. Alors, la population de Soudorgue est actuellement à 271 habitants, en période permanente. Et nous avons inversé la tendance, c'est-à-dire qu'ici, nous avons plus de résidences principales que de résidences secondaires. Au niveau municipal, on a créé beaucoup de logements sociaux. Alors, qui dit logements sociaux, vous pourrez les voir tout à l'heure si vous voulez. Il faut savoir ce que c'est un logement social, des appartements qui ont été financés par la mairie, par l'État, par le département. Parce que nous, on a toujours favorisé, depuis que nous sommes élus en tant que maire, au moins depuis 2001, à recevoir une nouvelle population et à pouvoir les loger pour qu'ils s'intègrent dans le village. Quoi, parce que notre principale préoccupation, nous, ici à Soudorgue, c'est l'école. Et effectivement, par l'arrivée de ces nouveaux habitants, avec des enfants, on a pu maintenir notre école, on a pérennisé l'école là, pendant quelques années. Donc c'est un sujet effectivement des plus importants. La région du Languedoc-Roussillon, et en particulier l'arrière-pays, un espoir de réception d'un grand nombre de nouveaux habitants. Et ça, c'est les chiffres qui nous le disent et il faudra bien qu'on les case quelque part. Tout notre problème, c'est de ne pas devenir un espèce de dépotoir social, j'ose un mot dur, avec des gens en mauvaise situation, démunis de ressources, désocialisés. Ça, il faut que nous l'évitions à tout prix. Et que nous ayons des structures suffisamment pleines pour pouvoir accueillir tous les types de populations. Il faut que les jeunes ils aient un emploi. Alors, là aussi, nous, on a essayé de favoriser, notamment en installant plusieurs agriculteurs. C'est très, très difficile, c'est très compliqué. Nous, on a essayé de mettre en place un petit peu une politique foncière agricole en justement achetant quelques terrains. On a pu avoir l'opportunité d'acheter quelques terrains communaux. Et en favorisant, disons, l'accès avec les propriétaires terriens pour qu'ils puissent libérer un peu des terrains pour les gens qui sont intéressés à venir s'installer en tant qu'agriculteurs. Je vous rappelle qu'ici, nous, sur Soudorgue, on doit avoir 10 ou 15, une quinzaine d'agriculteurs, éleveurs, producteurs de petits fruits ou de légumes, qui ont pu, depuis quelques années, on a facilité, disons, un petit peu les contacts entre les propriétaires, les anciens soudorgués et les nouveaux habitants. Il est tout jeune, il est tout neuf, il vient d'être construit par une équipe du village quand même, donc par les deux employés municipaux qui ont mis beaucoup de cœur dans cette construction, et puis beaucoup de bénévoles aussi, Jean-Louis qui a beaucoup piloté l'histoire, Christian, le maire aussi, Jackie, un retraité maçon, qui a donné aussi beaucoup d'efforts dans l'histoire. Un en reveu. On va faire notre provision.
du tourisme est un des atouts. Comment vous avez trouvé ça? Bah écoutez, c'est très agréable finalement. Je pense qu'on a beaucoup d'a priori sur les toilettes sèches, mais ça m'a fait penser au hamster, vous savez. Quand on les change dans la sciure, c'est la même chose. Voilà, il suffit de mettre deux louches dessus au lieu de tirer la chasse. Bon, moi je trouve ça bien. Vous aviez déjà essayé? Ah non, c'est pour ça que j'ai voulu faire l'expérience, je ne connaissais pas du tout. Non, non, je trouve ça bien. On a décliné sur différents thèmes, que ce soit un thème lié à l'habitat léger, à la problématique de l'habitat léger par rapport à la loi. C'est non seulement accueillir les gens qui veulent s'installer quelque part mais qui n'ont pas forcément les moyens, donc l'habitat léger c'est une alternative. On va parler aussi de l'accueil de personnes handicapées, puisque là c'est aussi un souci en milieu rural et en milieu de montagne. On va parler aussi de l'accueil écotouristique, puisque ça, c'est un sujet à développer sur notre intercommunalité. Est-ce que c'est uniquement d'avoir des bâtiments qui répondent à des normes écologiques, ou est-ce que c'est aussi une manière de recevoir? Et là, je pense que c'est très important. Pour moi, c'est aussi une façon de recevoir les autres. Une conférence aussi qui est très importante, qui est accueillir des paysans pour dynamiser son territoire. Parce que, bon, qu'est-ce que c'est que l'écohabitat, si l'écohabitat fonctionne selon le modèle actuel de la société, c'est-à-dire... une zone spécialisée pour habiter, une zone spécialisée pour produire, une zone spécialisée pour consommer. Ça n'a pas de sens. Nous, on pense qu'il faut redéployer les activités sur le territoire et que ce redéploiement passe par la proximité. Parce que le problème écologique fondamental aussi, c'est la proximité. On est rentré dans cette phase de réflexion autour de l'écologie, autour de la protection climatique, autour des énergies renouvelables, eh bien, on est dedans et on va continuer, bien sûr. Moi, je crois que les agriculteurs, les paysans, les gens de la terre se sont toujours posé ces questions. Évidemment, pas sous les formes modernes, mais nous avons toujours essayé de modérer les dépenses d'énergie, de faire des économies de chauffage, de nous arranger pour boire frais, même sans glace. Donc on sait faire quelque part dans les territoires ruraux et je pense que c'est quelque chose qui va naturellement se mettre en place et surtout se densifier.